RDC est une et indivisible. La population de tout le monde, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci de nous suivre partout à travers le monde. Et c'est que ça les mingues sont bons. Le nazo c'est comment monter parce que c'est plus sanguinaire des Kagame tout lié. Donc il y a quand même ça qui a causé la babla. Comment ils étaient amis nous pour ça Kanagango et au Bill Clinton à Yemba alors que a évité que Mboka au Congo et ça et que le tout est la catolo. Merci na bande de gnonso. Na moni wande mo kwa bandai ko komelanga ko lobananga wo yozo kanisake armée ya tshiseke alinga armée ya tshiseke di asalinga pe même na wodu armée ya kisekeri donc bango za ka ba er na monoko armée ya kisekeri e go sala likambo ozo ko sabato na bisenge za la kimia nga na ko communiquer jamais pour les Rwandais. Vous avez recruté vos journalistes au bopé saka bango mbongo ba tuita kabilo ko na bino mais depuis le bako ko tuita de sous soutenir ko sala ba vidéo depuis le bako timai donc ça na il sait que bino ba la terre mboko za mboka na biso to ko défendre ngo na ba front nyons na ba front nyons au montem na katumbi ba ba lobby. Katumba le bitala ambiguïté frappe bandi au moment que makambo changer de bobimi far de c bende le koyate zembo mongo bozoyemba nzembo ngo Félix pesa manduki tokota na Rwanda tembete tembete refrain wanande fona yoko na yemba ngolo bimé. Anzi mogeza na mwangu ya moko na kati so na zoyoka ndenge bozo tambola ba soda ya mboka na biso kudebe koyeba ke lobby frap o ba bengi frap eleki kuna bokomona mundu yoyo o le M23 bana minduki sofistiqué ba kimi lokola ba mabata er mogobo na yegi mo somoro mogobo ba kimi lokola mabata. Ba musuba ke Rwanda, ba musuba ke Bunagana. Mais ba nemi piloto frappe ki bango mwana tchango. Hare mundelete. Piloto wazana avion wana. Avion ni tizo dinda, ni tizo. Tutu la bango na imishio. M23 sali komunike. Oh non. Tozo alerte la communauté internationale. Même la communauté nationale. Ba ye ba ke. Ba faire des ba bombarder biso ba incendier biso mboka oyo ba civil bazali faire des azo monate boyena boye biso toujours 5 tozonga la dialogue ya Rwanda sia dialogue ya Rwanda ya Rwanda d'abord na Rwanda kagame ba yebisege arrêter la M23 atikala ko retirer bangota. Et nous allons rester comme ça éternellement. La bosse à Kambo Kanabiso, bosse sur la Takaba Minere Nabiso, Bobenda Makambo Milaye. Et nous allons vraiment rester croiser les bras pour total et l'abino. La bosse de Bazoba Nabino. Courage. Merci Nabande Kobuko Melinga Ilobina Kanya Bakombo Kanya Bayonge. Batumsuba Komelinga Ilobina. Na sangari na moniba message na bino chaîne na biso eza partout boza ebele chaque jour na pensi mbote na bande konanga baza na Goma ba bilenge na moni déterminé na armée e bangisi même na batu na ki reportage à France 24 oh les avions russes ont bombardé France 24 en disant que les avions russes, qui ont tourné vers les Russes pour la confusion à Binouan. Reportage, il y a un moment où la bataille d'abord est médiatique. La bataille d'abord avant tout est médiatique. Reportage à France 24 à l'objet, dans l'Andiango. Oh,
bavion russe et bombardé et kotaki na Rwanda bavion russe et bombardé ezambo kanabiso tozo ya Tchécoslovaquie tozo bavion na Angola tozo mbata na Djibouti et talibilo nani ce reportage on ya kolobaki non les avions russes mbongo na biso moko moko na biso za menace et même vous les français tant les reportages Juan vous savez que c'est la France. Le Conseil de sécurité, binobatu ma résolution que batiba pèse du soir embargo et continuer que toko somba mindugite pobo noue ba makamune bino avec le Rwanda pour éviter bande koranga lobby armée nabiso simaya moi tour le kakipo bagenda na Rwanda pilote wana betu moi frontière bonjour kaka. Bonjour, Rwanda, je panique. Balegi moi, je suis na mbote na binu na Rwanda, tozoya. Rwanda, je panique. Communiquez. Oh, mon avion ya Congo, et continue à espace na bango, boyona boy, tala milelo na milelo. Armée na biso, ou meli konate, moi bonjour, et zongi. Après, je connaissance. Baye ba cible maintenant pour lobby ezalaki bisika ya koyeba batwana bazalaki po pambate bobosa na teke bandeko ya woni balobaki togo bundane 23 te ah mendenge bakimi lobby na kuchela nini video moko azoku azobeta toko lia ni bino oso fole bito ko lia ye Togoliani ye Batouana Bapakati Mbank et lobby armé n'a bisous eu connaissance. Y a place Bazalaki. Alors bitoumbe comme ce qu'on a deux fonds. Batinde ba sniper, oye ba kobunda le colo ya ba ngomba. Ne par exemple ngomba ya chanzu na ibisa kibino. Ba msu sugo bazunde ce que bitoumbe ya likolo. Ce qu'on likolo za bombardé. Noga ki ba. Banini ya barwande ba zolo ba ho ndengeza wana ba vion waneza bilogo ya ba chinois ya occasion tout le milu milingi ko bimate kufanda kimia na chino boko zo yango lobby dembadad na ka ya ennemi armé na biso ba salu connaissance ya terrain et ba beti ba frappe ya liboso na kan ya ba Rwanda o bazo ki pe ma belé na biso tout la mouise ya ya donc sauf ki pe un souple ni we moya nde ba ba soili ba lo ba souple ni we moy mutu na muntu a sauver vinaye alors il y avait même des renforts o elingaki e uta na Rwanda po ya ko frapper bango mais so ki botali place armée na biso frapper lobby. Et ça juste pour contrôler les frontières. La place où on salit maintenant, l'armée peut comprendre que non. Même si on a pas de problème renforcer, moi y a des sources exactes. Il y a un système d'encerclement. Il y a un système de défendre. Il y a un système de défendre. Il y a vraiment un système. Bat vraiment basu vertige et biso toujours le sabino que malembe malembe bat la terre batouana bakolila pe bakolila na monoko ya yamboka armé na biso et ça le bat frappe à yarien beaucoup mona yango na mission lelo pe beaucoup mona ndenge nini ba Rwanda wana ba pakatimba et les opérations ils allaient au salé mandenge et longobani bobi que ministre affaires étrangères na biso Remotu Mandazoko Tangai, Lutundula, Apala, Azalaki Nangola, Bazo Solola. Parce que, bisotu na ebisaki ke poto peze na ba discussion. Ye moko na frappe ya lobby. Ba Rwande wana ba kimi ba palangani, ba sali communique, ba komiko senga, tozongele na négociation. Non, non, na deuxième émission. On a posé la boîte à la Scotie, Bokolanda, Assemblée nationale. Débat moko et les kakilobi. Oyo tato ya Muruga ou Abimagilobi. Aki, on a zoomé bisakombo na yebe bakaka.
Batonga to bib sata ba kombo na bango. Ozomone, o atelema ki na assemblée lobby pour bande ko sala ba aventure one. Mais je vous dis bande ko nanga ke sur terrain makambu mabaluki si c'est comme neuf beaucoup de choses et allez ko avancer dans le sens où batu mingi bazala ki ki di ba ba comprena ki te. Et nous, nous regrettons, il y a comme on a que, na moni lobby tech, bandeko ba travaka po na Rwanda, na moni ba exploit armé na biso, na moni ba tu ba kangi minoko, ba o ba communique ka po na Rwanda, ba mboka ebele, wo ruture, ba ofande sou na ruture, munkete na yebisio, o ba zu lobby ya ko sakanate. Maintenant, mais dialogue est en condition. Dialogue est en condition. Il y a des sanguinaires qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de pas question encore d'intégrer le groupe armé. Na mboka na biso bakota ka toujours na armée pour na ko déstabiliser mboka pas question ya biloko wana. Et moi je pense que sur cette axe différence ya Kabila na Tshisekedi eza na niveau wana parce que na moment ya lelo tokoki koloba ke en tout cas blague eza te et que makambo ezotambola ndenge elongo bani nous devons nous mobiliser pour nous mettre fin on a buzo bawana oyo bandeko oyo bazali kotia en place et nous nous mobilisons parce qu'il est grand temps que ba bêtise wana etelema courage na félicitations na armé na biso ba frappe wana et continue ti na kati ya bunagana tokota ti bunagana mobimba tokoma partout récupérer ma belle na biso il n'y a pas de négociation na ba terroriste gouvernement na biso traité bango de terroriste donc il est grand temps que ke bazaba terroriste botala na bino moko parce que bato moso batala gité ndenge nini moto et pela ke lobby ndenge ba tout li bango ne botala coucher tala ne tata oyo ndenge azoke ndazo tchetrole le kolo azobe ta mundu azobe kota ko bete la mundu gité au moni palipit Mbangu Bokondi Mati. Donc Ezali Kambo Moko Yakokamo vraiment et nous pensons qu'à notre niveau Manso ma Zali Koleka Nden. J'en ai si ça se met à la sien. Du coachi Nissa n'a pas de fait à mon Vous savez, nous vous avons dit que cela faisait très longtemps que les M23 nous ont provoqué, donc ils nous ont provoqué à maintes reprises. Et aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont décidées de monter à l'assaut des différentes positions de M23. Et là, nous venons de détruire leur position principale qui se trouvait juste en face de la colline de Bougoussa. Et nous comptons continuer pour mettre fin à l'activisme de ces détenteurs illégaux d'armes à feu. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Ouais, ce qui est important, nous demandons à la population de garder son calme et d'avoir confiance en son armée. Nous allons en finir une fois pour toutes.
Non, après, n'a pas encore un bon majeur. Si, ça se met à la sœur. Je continue ça, non, je vais faire un temps au milieu, je vais faire un temps. Vous savez, nous vous avons dit que cela faisait très longtemps que les M23 nous ont provoqué, donc ils nous ont provoqué à maintes reprises. Et aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont décidées de monter à l'assaut des différentes positions de M23. Et là, nous venons de détruire leur position principale qui se trouvait juste en face de la colline de Bougoussa. Et nous comptons continuer, alors continuer pour mettre fin à l'activisme de ces détenteurs illégaux d'armes à feu. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Ouais. Ce qui est important, nous demandons à la population de garder son calme et d'avoir confiance en son armée. Nous allons en finir une fois pour toutes. Non, après, n'a encore un gars pour mon majeur. Depuis le vendredi passé, nous constatons
une récurrence des provocations du mouvement rebelle M23 avec comme objectif maintenir une situation de guerre tout en plaidant pour une solution politique. Pour rappel, les M23 ont attaqué nos positions à 3 reprises, successivement le dimanche 15 mai à 13h à Mouati, le mercredi 18 mai à 3h à Kanyundo 1, et la dernière provocation en date est celle de ce jeudi 19 mai à 13h50 à Nyaroubara dans la localité de Kabasanza, en groupement de Bouissa. À cette dernière provocation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté de la bonne manière et la situation a été vite maîtrisée après une vingtaine de minutes, malgré les 2 blessés enregistrés dans leur rang. À l'heure actuelle, la situation reste sous contrôle des forces loyalistes qui consolident leur position. Puisse la population garder son calme et vaquer librement à ses occupations. Je crois que wana bomoni ndenge ba Rwanda wana bazalaki surpris na frappe ya kosakana te armée na biso epesi bango tante félicitations na ba force ya défense et sécurité ya mboka na biso plus jamais ne sera comme auparavant que totika mboka mobimba na maboko ya ba Rwanda to négocier ka français moko moko wana mixage brassage. Et en prenant les armes, bayeba kiki na ba complice na bango bazana kati ba royo ko sala mubulu bomoni colonel moko ya la police bale bia zalaki na kwa muntu ao tango siko makambo isalami ayeko mikuta ke batinda ki yeso ki na na ba chance kuna tango Felix a sali discours na ye na tongo alibi ono tous les traîtres boko subir sort. Awangani na yote amalembe abongiseka kateni na ye akekufanda na ba M23. Donc mboka mobimba infiltré na degré ko sakana te. Heureusement que armée na biswe lobby batir maintenant unité mobimba na armée oyezo s'occuper maintenant ya ko dénicher ba infiltré nyonso. Mais sur terrain retour obandaki koyoka bato bazo sele publicité bazana porte bazo kota na Goma. Fien atali kambo mokote mbala moko discours échangé même na ba media ya ba occidentaux ba komi o non o ezoleka eza ba avion ya Paris muntu ezali ko beta ba Rwandais boyna boye bon soki toki to zimbongo to sumbi avion ya Paris pour te défendre mabele na biso ba reportage wana angle bozu wana hein. On appelle ça l'angle de communication. Angle au Bozuana, souci na bino ezanin, toti kambo kanabiso. Eko simbate. Donc nous pensons que il est grand temps de se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à nos adversaires, pour barrer la route na bandeko oyo bazali ko sala makanisi ya mabe. Na bandeko oyo bazolinga batia désordre na mboka na biso il y a pas de négociation tala bino mokonde ba pakati mbango bango bakanisaki ke biso tokotikala ka faible ya libela même tango bazo jirer coûte que coûte ke baya bakota na armée na biso baza na agenda caché. Merci na président de la République oyo vraiment hein aboyi pas question ya koloba lisusu ke ndenge za wana mixage na brassage pas question toke na fro boko mona ke boko yeba biso donc ba kongole bo tcha mutema na bino na pio armée na biso ba kosala musala ndenge longobani ruchuru watata wa mama bandekwana bapakati mbangu bomulindenge bazokima
Et même Mindouk Ronon, Mindouk 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 sophistiqué, Bakimi Lobi Batiki Mindouk. Hein? Mindouk Mindouk sauver Vinaye. Sukoyo, Nakokima Nabango, Bamoussous Bajou à Tanzania, Koukoma Ouganda, Bamoussous Bakotina Park. La table à Lyon, la part, on est beau la table à Park, Bali à Bangot. Bamoussous Bakimina Park. Oyo kamwa petit sanguinaire moko ezakuna basakana kana nambo kana biso pas question encore ya ko beta masanona na batwana donc nanu ba balélite boyo ka communiquer na bango balobi la direction du mouvement M23 en sigle informe la communauté nationale internationale que les forces de la coalition gouvernementale congolaise utilise des avions de chasse et des hélicoptères d'attaque pour bombarder des zones fortement peuplées en tuant des civils innocents, créant ainsi des déplacements massifs. Bino Koutou, Bozo Boma. Voyez-vous maintenant, il y a quelque chose qui est cette option belliciste est contre-productive et met extrêmement en danger la vie de nombreux citoyens dans la zone sous contrôle et accentue la situation humanitaire dans la région. Il est à noter que le gouvernement de l'RDC ne veut pas la paix et maintient toujours son option de guerre, piétinant ainsi l'appel au dialogue lancé par les Nations Unies, l'Union africaine et la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous condamnons fermement les discours et tout ça, l'idéologie balobi papa, nous restons attachés na dialogue ya Luanda. Na nous bolélité. Baolo baza ba pomba. Les lo ba komi kolela. Même mindu bandaki koko sabatoa. Avec les Nations Unies. Oh, Mindouki wana, ce qui bat tout le moko, hein, Bogozala ba beti bobilo kati ebimi. Oh, ce qui moko beti, gome ekwei, lukuta. Le lukuta bimi na polele. Merci pour la détermination y armée. Makambo e baluki bandeko na ngai, ba pakati mbango. Nani a kote de malisus, mwana na mwana bendana. Ba pakati mbango ya kosakana te. Et armée na biso de ko se défendre très bien sur terrain. Je vais vous montrer même Mindouki balobaki Mindouki na bango wana to récupérer yango. Oh balobaki oh nini wana on a récupéré ça. Plus koutana na bango esili makabone se tamboli clair très bien et pour le moment mon toko sabine le sosouté. Donc nous battons afin que mboka na biso kene. Je vais vous laisser suivre botala maintenant opération na mobimba nango mais botala pe ndengeni ba Mindouki wala bango bazo ko prétendre que bazana Mindouki ya makasi ndenge to récupérer nyons et ezali vraiment makambo ya ko kamwa et notre armée azali ko sala ba exploit parce que TV za radio té si je parle le même langage na bande ko bazana technique bazo che da bino élément oyo bo mona ndengeni ni comment notre armée s'est comportée bo bété la bango maboko boko isaka game na ba sanguinaire na ye ba yebake Congo mboka na biso et ko négocier li sosote na bango l'option maintenant militaire est activée bitumba e ko zonga kote bango bauti on suit cet élément botala ndenge le kaki et on va revenir juste après pour continuer ba élément avec vous. Merci, à tout à l'heure. Il y a un peu de temps.
C'est une mine. Ici, ils ont laissé beaucoup de stocks de. Il y a deux autres là. Télévision. Ah, que n'a pas de mal. Kuna mtu yuko pale? Eh, hao mzee. Umeona? Ile pale ni miza ya nani? Hiyo ndo gari yake sla. Ya M23. Ya M23. Ilikuwa gari la mabomu. Kama una manga unaweza kuangalia. Eh, lakini kuna hewa kali kidogo. Ils ont pris la fuite vers le parc national de Virunga et probablement vers le Rwanda et d'autres vers l'Ouganda. Nous sommes en train de faire le ratissage à l'intérieur des limites nationales pour voir s'ils ne se cachent pas encore dans les forêts. Mais ce que nous savons est qu'ils ont pris la direction des pays voisins. La population de Routchour, nous l'avions déjà annoncé que nous étions prêts, nous étions en train de compatir avec elle durant toute une année qu'ils ont enduré avec la rébellion du M23, avec toutes ces exactions. Et maintenant, elle est libérée, c'est un soulagement et c'est une victoire pour tous les Congolais. Ce qui va se passer, c'est que ça, ce n'est qu'une grande étape, bien sûr, bien que ce n'est pas encore la fin de la guerre, parce qu'il y a encore d'autres groupes armés qui détiennent encore les armes sur le territoire congolais et que nous allons pouvoir aussi désarmer par la force s'ils ne veulent pas obtempérer à notre appel de déposer pacifiquement. Et donc, après le M23, qui était le groupe le plus vulnérable, il était le groupe le plus dangereux plutôt, et qui avait instauré une administration parallèle, qui avait aussi plusieurs armes, plusieurs munitions avec un soutien extérieur. Vous venez de voir avec moi les stocks d'armement qu'on a récupérés, que ce soit à Rumangabo, que ce soit à Mbuzi, que ce soit ici à Chanzo et à Runyoni. C'est vraiment des munitions, des stocks impressionnants, à tel point que la guerre n'était pas destinée à se terminer aujourd'hui. Ça, c'est un miracle, c'est Dieu qui a vraiment aidé les forces armées régulières de FARDC pour pouvoir démanteler les réseaux du M23. Tidak.
Kisangani, il y a les marches des étudiants, ils sont en train de marcher, de dire Kagame Akoufa, Kagame Akoufa, ils sont derrière FARDC. Donc même les étudiants, ils se plaignent de tout ce qui se passe à travers le Congo. Et surtout, ils appuient le FARDC de dire qu'aller en avant, car Kagame n'a pas de force. Voilà un peu son quoi et les étudiants qui sont en train de partir par-ci par-là. Voilà. Voilà, n'oubliez pas de partager les liens, n'oubliez pas de liker et de commenter, parce que si le Seigneur n'y revenait pas, vous dites que la scotche branchée dans le deuxième numéro, dans le Zonga de Sous, dans l'actualité bénie. Merci, bye. RDC est une et indivisible. De la population étonnante, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.